لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ زلاب بيانفنو سيو ماشين من بروف distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon triangle les médiatrice, on va corriger les exercices de la page 57. Donc, euh, voici l'exercice 14, page 57. Recopier la figure ci-contre. Si Construire les cercles circonscrits des triangles AMI, AIE et AME. Donc ici, c'est une question de construction. Il y a les cercles circonscrits. Et on a vu dans la leçon que euh, le centre du cercle du circonscrit c'est l'intersection des médiatrices. Donc le premier triangle c'est AMI, voilà AMI. Donc euh, on va construire les médiatrices. Bien sûr, on a vu dans la leçon qui fait la médiatrice. La médiatrice euh, d'un triangle c'est la médiatrice de l'un de ses côtés. La médiatrice c'est c'est comme ça. Donc si vous avez un un segment voilà le segment AB la médiatrice c'est la droite qui passe par le milieu bien, il, il passe par le milieu et qui est per, perpendiculaire, hein, perpendiculaire et bien sûr on utilise le compas et la règle pour la règle et le compas pour construire la médiatrice ici on va construire par exemple la médiatrice de ce côté là par exemple MI donc on est en train de tracer la voilà la médiatrice de MI, ça va être quelque chose comme ça. Regardez bien. Donc, euh, voilà la médiatrice de MI. Voilà. Donc, c'est une droite qui est perpendiculaire à MI. Regardez bien. Elle est perpendiculaire à MI et qui passe par son milieu. Euh, on va tracer une autre médiatrice. Donc, on va tracer, par exemple, la médiatrice. Euh, de AI. Du côté AI, il va être quelque chose comme ça. Regardez bien. Voilà la médiatrice de AI. Hein? Donc, euh, il passe par le milieu de AI et perpendiculaire. Bien sûr, on utilise le compas. Donc, voilà. Alors, c'est ce point-là. Point, ce point-là d'intersection, c'est le centre du cercle circonscrit. Le cercle du centre circonscrit. Et voilà notre cercle circonscrit. va être comme quelque chose comme ça. Regardez. Il passe par les sommets du triangle. Voilà le cercle circonscrit qui est en rouge. Pour ce qui concerne AIE, bien sûr, on va utiliser cette, la médiatrice de AIE. Et on va ajouter une autre médiatrice, c'est-à-dire la médiatrice de IE. la médiatrice de IE, donc en parce qu'on a déjà la médiatrice de I. Donc on va ajouter la médiatrice de IE. Regardez, Il va être quelque chose comme ça. Elle est perpendiculaire à IE. Regardez bien. Voilà, voilà, et perpendiculaire à IE et qui passe par le milieu. Regardez bien, voilà, elle est perpendiculaire et passe par le milieu de IE. Voilà une médiatrice de, du triangle à IE. Voilà une autre médiatrice. Voilà le centre du cercle circonscrit. Voilà le cercle, notre cercle circonscrit. Voilà. Voilà le cercle circonscrit. Voilà. Il passe par les sommets du cercle. Maintenant, euh, le grand euh, rectangle, le triangle c'est AME. Voilà, on va passer à ME. On a deux médiatrices, donc faites attention. Non, on n'a aucune, mais elle pas médiatrice. Donc on va euh, tracer la médiatrice de, de, de par exemple, de ME. Donc ça va être quelque chose comme ça. Donc je vais changer de couleur. Donc faites Attention, donc on va tracer par exemple la médiatrice, c'est-à-dire la médiatrice de AE, par exemple. Donc il va passer par le milieu de AE, donc on va le milieu, et qui est perpendiculaire à AE. Voilà une autre médiatrice de AM, c'est-à-dire du triangle AME, à contient le voilà une autre médiatrice. Donc ça va donner... Le centre. Le centre a du quelque chose comme ici. Donc maintenant, voilà notre cercle. Le centre du cercle. Voilà le cercle circonscrit. Normalement, le point. le point I. Je crois. du le point... quelque chose... quelque chose ici. Donc... Le centre du cercle circonscrit. Donc, c'est très facile. Donc, c'est très facile. Donc, on utilise... La, la, la propriété directement. Maintenant, l'exercice 15. Pour ce qui concerne l'exercice 15, c'est quoi Recopier la figure si contre Puis construire un cercle de centre I appartenant à la droite delta et qui passe par les points E et F. Regardez bien. D'abord, le point euh, ou bien le, le cercle de centre. I qui appartient à la droite. Donc, il appartient à cette droite-là. Deuxièmement. Et qui passe par les points E et F. Donc le cercle C de centre I, s'il passe par E et F, il est qu'il E ou F. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on aura I E. Donc on va écrire euh, I est le centre du cercle. De, du cercle de notre cercle c'est par exemple qu'il passe par E et F ça veut dire que on aura la distance IE radikunena IE égale IF savez qu'est-ce que ça veut dire encore ça veut dire IE égale IF c'est-à-dire I I appartient hey signifie ça signifie quoi que I je vais écrire signifie ça veut dire la même chose, signifie que I appartient, appartient à la médiatrice. À la médiatrice de quoi La médiatrice de EF. Donc un, un point qui appartient à la médiatrice de F, donc... Euh, I, il doit appartenir à la médiatrice de F et il appartient à delta. Hein? Donc c'est l'intersection. Donc avec le point I, il doit être hein, l'intersection de la médiatrice de EF et la droite delta. Donc regardez. Voilà notre segment EF. Qu'est-ce qu'on va faire On va tracer la médiatrice de notre segment EF. Voilà, donc on va construire notre euh, médiatrice de ce cercle. Regardez, il va passer par le milieu. Donc je m'excuse. Bien sûr, on, on construit la médiatrice en utilisant le compas. Donc hein, il y a la médiatrice. Donc il est perpendiculaire à EF et il passe par le milieu. je suis dans le mot la leçon. Donc, vous pouvez y revenir. Donc, elle dit, donc, voilà la médiatrice de EF. Donc, notre point I, donc, il appartient à la médiatrice de EF et à delta. Voilà. Voilà le point I. Tout simplement. Maintenant, on passe au suivant. Ici, donc, euh, voilà la figure. On a, c'est un cercle de centre-haut de rayon 3 hmm? donc le rayon c'est 3 cm soit BP un diamètre de C ah ouais. BP c'est le diamètre le comptin. coupe OP la médiatrice de OP hmm? la médiatrice de OP, regardez OP dit là rayon, OP donc euh, voilà la médiatrice, et il coupe euh, coupe OP en N C en E et F et il coupe le, le cercle C en deux points, E et F. Hein, e et F. La médiatrice de ON, voilà la médiatrice de ON, c'est euh, une droite delta. Il yeah. coupe ON en I, en un point I. Faire la figure, il a dit la figure, montrer que delta est parallèle à EF. On va montrer que delta est parallèle. Comment on va montrer delta est parallèle donc, euh, premièrement, on a EF. Hein? C'est la médiatrice de OB. Donc, il est perpendiculaire à OB. Donc, on va écrire EF médiatrice de OB. Donc, EF est perpendiculaire à OB. Ça, c'est la relation 1. Deuxièmement, on a la droite delta médiatrice de ON. Delta médiatrice médiatrice de ON. Puisque c'est une médiatrice, alors elle est perpendiculaire. Donc, delta est perpendiculaire à ON. Mais n'oublions pas que les points ON et B sont alignés. Euh, on a... Euh, parce que... Puisqu'ils sont alignés, on va remplacer ON par OP. On va dire euh, ON et B sont alignés. Donc... Donc delta, il est perpendiculaire maintenant à OP. Donc je vais remplacer ON par OP. Donc, delta... Maintenant, il est, il est perpendiculaire à OB. Donc, regardez. On a deux relations. 1 et 2. EF perpendiculaire à OB. Delta perpendiculaire à OB. On a une propriété qui dit la chose suivante. Si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors, ils sont parallèles. Là, on juste le moustakimètre. Là, j'ai déjà dit ça. On a juste le moustakimètre. On le perpendiculaire. Maintenant, delta 1... Perpendiculaire à D. Hein? Delta 2, perpendiculaire à D. Alors, on dit que delta 1 et delta 2 sont parallèles. Hein? C'est une propriété importante en géométrie. Donc, euh, on va dire de 1 et 2. On déduit. On déduit. Nest-Centige. Delta est parallèle à EF. Tout simplement. Donc, on a répondu à la première question. À la deuxième question. Parce que 1, c'est la figure. Hein? 1, hein, faire la figure, hein, ah, c'est la deuxième question. Troisième question, calculer BI. Donc, regardez, on va calculer BI. Comment on va calculer BI Regardez, bien sûr, on va utiliser les hypothèses et les propriétés, bien sûr. Donc, BI. Regardez, c'est quoi BI Regardez, la distance BI, c'est quoi on a N c'est un point de B, donc on va écrire BN plus NI. Je vous N. C'est quoi BN Regardez, BN c'est la moitié parce que N c'est le milieu. Donc je peux même écrire puisque N milieu de BO, on va écrire N milieu milieu de BO ou bien de OB. Donc donc, Bn égale à quoi À la moitié de OB. Parce que OB, c'est le rayon, c'est 3. Donc, Bn égale à OB sur 2. OB divisé par 2. Égale à 3 sur 2, égale à 1,5. Hein BO, c'est 1,5. Euh, non, BN. BN, BN c'est la moitié de BO. Quoi encore Ni. Regardez, Ni. On a aussi Ni. Ni, c'est quoi On a I-milieu. Je vais écrire I-milieu parce que n'oubliez pas que delta, c'est la bisectrice de ON. Donc, je vais écrire I-milieu. La bisectrice, la, la, la médiatrice d'un segment, il passe par son milieu. Hein? Donc, I-milieu de ON. Et milieu de ON. Donc la distance NI c'est ON sur 2. Mais c'est quoi ON ON c'est la moitié de de quoi Donc égal ON c'est quoi C'est la moitié de OB. ON c'est aussi Bn, parce que N, c'est le milieu de OB. Donc, je peux remplacer ON, BN et BN, on l'a déjà calculé. Donc, je peux écrire ici BN. Pourquoi j'ai remplacé ON par BN? Parce que N, c'est le milieu de OB. BN sur 2 égale, BN, on l'a déjà calculé, 1,5 sur 2 égale à 0,75. Ça y est Maintenant, qu'est-ce qui reste on a, on a calculé BN et on a calculé NI. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va dire Donc, BN est égal à 1,5 plus 0,75. Égal à combien Donc, ça va donner 2,25. Tout simplement, on passe au suivant. Regardez la question suivante, montrez que PE est égal à Pf. PE égale à PF. Cette distance-là égale à cette distance-là. Donc euh, ici, il suffit, bien sûr, montrer ce cette question-là. On va utiliser la propriété de la médiatrice pour montrer qu'un point par exemple il est équidistant aux extrémités d'un segment il suffit de montrer qu'il qu appartient à la médiatrice de ce segment le point m la distance deux extrémités d'un segment maintenant il suffit de montrer quoi que m c'est un point de la médiatrice donc nous qu'est-ce qu'on va montrer Oh, il suffit de montrer que BP, hein, la droite BP, c'est la médiatrice de EF. Comment on va montrer que BP est la médiatrice de EF Donc euh, on a BP le diamètre de C. Donc il, il, il passe par O. Donc et on a BP est perpendiculaire à EF. Donc regardez. La question, c'est pas évident. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu que je vais utiliser Je vais utiliser des choses ou bien des, des propriétés très très importantes. D'abord, on a BP. On va dire que BP passe. Regardez bien. Passe par O et ah ouais, pourquoi parce que c'est le diamètre le diamètre il passe par le milieu et en même temps il y a BP perpendiculaire à EF maintenant je il est perpendiculaire à hein? la droite EF là, perpendiculaire au point N donc et BP perpendiculaire à, à EF ah ouais, BP passe par O et BP par perpendiculaire à F. Et on sait que, et on a, et on a la médiatrice, la médiatrice de EF est encore, et, et quoi? est perpendiculaire. À quoi Il est perpendiculaire à EF et passe par O. Et là, pourquoi il passe par E, par O Parce qu'on a OE égale à OF. Parce que O, c'est le centre de ce cercle. Je vais écrire car. Hein Car OE. C'est ça pourquoi la médiatrice de. Parce que tout point équidistant des extrémités d'un segment, il appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, regardez, perpendiculaire et passe par O. Perpendiculaire et passe par O. Passe par O et perpendiculaire. Regardez. On a BP passe par O et perpendiculaire à EF. La perp oh, et on a la médiatrice de F perpendiculaire à F et passe par O. Donc, on a un point ici. On a dit qu'on faut la propriété. Il existe un seul, ou bien une seule droite qui passe par A perpendiculaire à la droite D. Je, je, je vais dire ça d'une autre manière. Il passe une seule droite hein, par un point. Est perpendiculaire à une droite donnée. Donc, N de la droite, l'écatomorphisme, un point est perpendiculaire à une droite. De même, a, a la médiatrice, il passe par O et perpendiculaire à EF. Ou N BP, il passe par O et perpendiculaire à EF. Donc, de ces deux résultats-là, on a le résultat 1. Ou N 2, savez, 1 et 2. N de BP passe par O et perpendiculaire à, 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 à EF. Ouais. Deuxièmement, EF perpendiculaire à EF et passe par O. Donc, HED juge, Donc, qu'est-ce que ça veut Ça veut dire que être BP, c'est la, la médiatrice. Donc, de 1 et 2, on dit oui, On dit oui. On dit oui que BP. Et la médiatrice. C'est bien la médiatrice. De quoi De EF. Donc, la propriété, c'est très importante. D'où, puisque c'est la médiatrice, d'où PE est égal à PF. Parce que tout point appartenant à la médiatrice d'un segment, s'il est équidistant des extrémités de segment. D'où PE est égal à PF. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 17, regardez ici. ABCD est un quadrilatère. Quadrilatère, il a quatre côtés. ou le quadrilatère. La médiatrice de AB coupe la médiatrice de BC en E. Il y a la médiatrice de AB. Donc il passe par le milieu de AB et qui est perpendiculaire. Ah la médiatrice de AB. Voilà la médiatrice de AB. Euh, coupe la médiatrice de BC. Voilà. Ah, la médiatrice de AB coupe la médiatrice de BC. Donc, la médiatrice de AB. Ah, il y a la médiatrice de BC. Radin. Je vais, je vais construire la médiatrice de, de BC. Ah, il y a la médiatrice de BC. Donc, il passe par le milieu de BC. Regardez. Voilà. Comme ça. Il est comme ça. Ah, oh. Il est perpendiculaire et il passe par le milieu. Donc hein, il y a l'intersection. Donc il, hein, la médiatrice. On la médiatrice de CD coupe la médiatrice de DA. Donc la médiatrice de CD coupe la médiatrice de DA. Donc on dirait la médiatrice de CD. Hein, on dirait d'une autre couleur la médiatrice de CD et de AD. Il y a la médiatrice de CD. Vous savez Et la médiatrice de AD. Voilà, on dirait la médiatrice de AD. Donc, la médiatrice de AD, il y a. Et la médiatrice de CD comme la médiatrice de AD. La médiatrice de AD et la médiatrice de CD. Hein. Voilà. Il y a la médiatrice de... AD, il se coupent en on un point. On a ici, on a l'intersection. C'est quel point On a le point E. Ou, il se coupent. en F. Se coupe. Donc, la médiatrice de AB et de CB se coupent en E. La médiatrice de AD et de DC se coupent en, en F. Faire la figure, il y a dit. Montrer que EF est la, mé est la médiatrice de AC. On va montrer que EF, hein, head, la droite, EF, c'est la médiatrice de AC. Pour montrer que EF est la médiatrice de AC, qu'est-ce que ça veut dire On va tableau AC. Voilà. AC. On va montrer que EF est la médiatrice la médiatrice donc pour montrer ça, il suffit de montrer que E et F, hein, ils appartiennent à la médiatrice de AC. Qu'est-ce que ça veut dire d'une autre manière Il y a une A, égale à EC. Donc E, il est équidistant des extrémités de A et C. Et F, il est équidistant aussi de A et C. je E, c'est un point de la médiatrice. Ou F, c'est un point de la médiatrice, donc on aura EF, c'est bien la la médiatrice. Donc la médiatrice, elle passe par E et F, d'une autre manière. Donc pour montrer que E est un point de la médiatrice de de AC, hein? Oui? D'ailleurs, regardez bien. On a E, c'est quoi E? C'est l'intersection des médiatrices de AB de AB et de BC. Donc, dans le triangle ABC, on va dire que E, c'est l'intersection des médiatrices. Parce que toutes les médiatrices, elles appartiennent à la même droite. Euh, toutes les médiatrices se coupent, sont concourantes a un, hein, un seul point. Il y a un, un triangle, les médiatrices, toutes les médiatrices ils, ils sont, sont concourantes on a, on a un seul point. Donc maintenant, il suffit d'écrire ça, donc on va dire que dans... Ah, je m'excuse. Dans le triangle. Dans... Le triangle ABC. Qu'est-ce qu'on a On a E. On a E. L'intersection. des euh, médiatrices de AB et PC donc la médiatrice de AC, il doit passer par E. Donc E ou donc la médiatrice de AC, il doit passer parce que toutes les médiatrices, euh, tout, parce que les médiatrices de tous les côtés, hein, il passent par le même point. Alors la médiatrice de AC, il doit passer par passe par e. De même, dans le triangle ADC, ça c'est le premier résultat. Dans le triangle ABC, ADC, pardon, dans le triangle ADC, on a qu'est-ce qu'on a On a f. l'intersection de des médiatrices de AD et DC. Des médiatrices de AD et DC. Donc, la médiatrice de AC doit passer par F. Donc, La médiatrice de AC passe par F. Donc qu'est-ce qu'on a La médiatrice de AC passe par E. La médiatrice de AC passe par F. Donc, donc, donc EF, c'est bien la médiatrice de AC. Donc on va écrire 2, 1 et 2. On déduit que EF est la médiatrice la médiatrice de AC. On passe au suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 18, c'est une question de construction c'est ça ce que j'ai trouvé moi donc regardez tracer un segment AB donc on va tracer un segment comme ça donc on va voir le segment AB hein? bon, je vous explique comment j'ai fait et de longueur 6 cm 6 cm qu'est-ce qu'il tracer les triangles dont AB est un côté et dont les autres côtés mesurent 5 et 3 cm on a ab B 6 cm, on veut tracer deux autres Juste sur les côtés 1x5 ou 1 3 Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le compas Donc à partir de A par exemple, on va dire un arc Un arbre d'une taille On A et on le confie ici à 5 cm yeah. Ou on prend un arbre d'une taille d'un cercle de rayon 3 cm

BH, ABE. Vous savez? Maintenant, construire les cercles circonscrits à ce triangle. Ah, on a les cercles circonscrits. Hum? Les cercles circonscrits. Mais ici, normalement, euh, c'est quoi les cercles circonscrits d'abord? Comment construire les cercles circonscrits? C'est l'intersection des médiatrices. Donc, à partir de maintenant, A, B, C, on va deux médiatrices. une là. le centre et le cercle. Donc, on va la médiatrice de A, G, la médiatrice de B, G. On va tirer le centre du cercle et vous allez tracer ça. Donc, c'est très facile. Euh, que peut-on conjecturer Moi, je je vois rien ici à la main ça la Hatine me belligerait ou ce qu'on va conjecturer c'est pas clair donc la la question n'est pas n'est pas n'est pas, pas claire donc ou les industriels qui raoulent les chahiers ils le commentaire mais qu'est-ce qu'il savait. donc regardez l'exercice du neuf pour ce qui concerne l'exercice on a trois villages on a le village A Village B, village C. Yak Ah, a. Ouma. a B, na. K, na. K, na. 8 km. BC? 7, ou on a 10. On a par exemple. Mais je suis donc euh, on va changer les le, 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 smito. Donc AC 10, du A. Pas grave. A C, yak yeah.

Donc, 1 euh, sur 100 000, on a 100 mètres sur le plan pour 1 km dans la réalité. Donc, on a 1 cm avec le plan, qui est 100 000 cm dans la réalité. On a 100 000 cm, on a 1 km. Vous savez, il y a الواقع، دونك عندنا في الـ في, الـ في التصميم غتكون هي 8 سنتيمتر وهذه ثاني 7 سنتيمتر وهذه 10 سنتيمتر ها الا إيه حسبنا في الـ في الـ في التصميم اللي عندنا يعني بحال قلتي فوق الورقه لي ميغ اون ديسيدي دو فير ان فوراج يعني لي ميغ هما بحال قلتي المسؤولين في المدينه العمده كنسموا العمده ont décidé de faire un forage pour alimenter ces communes, les villages, vous voilà. savez. Donc, ils faire pour alimenter ces communes. Le forage devra être équidistant des trois villages. cest داك البير خاصها تكون ايكويديسون دي تخوا فيلا تكون كتبعد بنفس المسافة عن هادوك لي فيلاج كونستخويغ لا بوزيسيون اف جو فوغا سوغ لو بلون اذا فين غتكون و واش كون فا يعني لا بوزيسيون دو اف يعني النقطة فين غادي نحفرو ليهم البير باش تكون اه عندهم لا ميم ديسونس يعني بحال قلتو باش كل فيلاج يعني يضرب نفس المسافة يعني باش يحصل على الماء صافي

euh, comment on va répondre On va répondre à partir de la propriété qu'on a vue, c'est le, le point, le point euh, de la position de F, c'est quoi F doit être le centre du cercle circonscrit, donc à le point d'intersection des médiatrices, Léo qui le centre du cercle circonscrit. Donc On va tracer la médiatrice, la médiatrice de AC. Voilà. Bien sûr, on va utiliser le compas, etc. La médiatrice. On a rendu une autre médiatrice. Et ça suffit. Donc on a une autre médiatrice de AB. Et nous, la propriété qu'est-ce qu'elle dit euh, Toutes les médiatrices se coupent ou bien sont concurrentes on a un seul point qui est le centre du cercle circonscrit. Donc, il est de la médiatrice du AB ou la médiatrice de AC. On va trouver le point, ouais, le point là. A le point où F qui est équidistant, qui est égal de même de les points A et B et C. Tout simplement, on passe au suivant. Là. On a ABC, on a les triangles ABC, BFC, BCR, etc. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai construit... Eh, donc, euh, les cercles normalement, O, I et J, les centres respectifs des cercles circonscrits. Donc, on a les cercles circonscrits, leur, leur milieu, c'est l'intersection des médiatrices. Qu'est-ce que j'ai fait Dans ABC, j'ai construit la médiatrice de AB. Et la médiatrice de BC. on est haut. Hein, il y a. le centre du cercle circonscrit. Et le même a BFC, la même chose. Je me disais, je suis de BC. Ou je suis un Ou euh, la médiatrice de. Donc, il a BFC. Ah, ou à la médiatrice de. De FC. Hein, il y a un i. de BFC. Donc, je de B C E la médiatrice de B-C Toujours B-C parce que BC a la c'est donc la médiatrice de B-C Et une autre médiatrice, c'est la médiatrice de E-C De E-C il nous donne J. Hein? Vous allez vérifier que les points o et J sont allés. On peut même montrer. Mais ben, vérifier. Pourquoi le, le triangle ABC euh, La médiatrice, le, le centre du cercle circonscrit qui est O. Donc il doit appartenir à BC, l'arto, hein, parce que BC, donc O, alors où est l'intersection des médiatrices Donc on va dire que O, donc, donc là, O appartient... ou bien dans le triangle, hein, dans le triangle, hein, alors là, je montre, mais je vérifie, dans le triangle, dans le triangle ABC, on a O, parce que O, c'est le centre du cercle circonscrit, on a O appartient, appartient quoi La médiatrice, je m'excuse, appartient, elle dit appartient, hein, la médiatrice. De baisser. Quoi encore? Un. Deuxièmement, dans le triangle BFC, la même chose. Dans le triangle BFC, on a O appartient à la médiatrice toujours de. De B deux, B C E dans le triangle B C E, on a O O ah je m'excuse, elle dit M. O, elle dit I, c'est I voilà le, le centre oh I dielle B F O dielle A B C ou G on a J dans le triangle BCE, J appartient à, à la médiatrice. À la médiatrice de, de quoi? Toujours de BC. Donc d'après 1 et 2, 3, qu'est-ce qu'on a On a O appartient à la médiatrice de BC. I appartient à la médiatrice de BC. Et J appartient à la médiatrice de BC. Donc, 2, 1. Et 2 et 3. Donc, les points sont alignés. Les points. Parce qu'ils appartiennent à la main droite qui est la médiatrice de BC. Les points O, I, J sont alignés. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon triangle et médiatrice, on va corriger les exercices de la page 58. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.